Salut à tous, bienvenue dans le chapitre 7 de Projet 05. Ça fait un bail, j'ai pas joué. Parce que j'ai galéré pour plein de choses. Et là, en fait, vous remarquerez que c'est en 1080 parce que j'ai changé de PVR, de trucs pour enregistrer. Bref, la config a totalement changé, d'ordi aussi. Donc, c'est un peu différent. Donc, la suite, la prêtresse des eaux noires avec Yuriko Zukata. Yuri est parvenu à sauver Miyu à l'hôtel de la transition, mais n'a obtenu aucune information sur Hisoka. Mais ce lundi, sans sa possession, sur une photo trouvée dans la caméra obscura et la vision qu'elle a eue en touchant l'amulette d'Hisoka, ces dernières mènent Yuri à croire qu'Hisoka se trouve quelque part en amont. S'accrochant à ce dernier espoir de retrouver son ami, Yuri se dirige vers le lac des Dauphins situé au sommet du mont Ikami. Waouh! Tellement de choses. Allez, je sais plus de l'histoire, c'est génial. Je sais même plus comment on joue, donc ça va être particulier. J'ai trouvé Miyu, mais je n'ai pas encore avancé en ce qui concerne Hisoka. Tout ce que j'ai, c'est ça. Cette photo et la vision que j'ai eue en touchant l'amulette Hisoka. Elle se tenait debout dans l'eau. Il y a un lac au sommet du mont Ikami. On l'appelle le lac des défunts. Hisoka se trouve peut-être là-bas? Alors, comment on fait? Alors, pour courir, déjà, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le déplacement sur le côté. C'est vrai qu'il y avait ça. Ensuite, il y avait... ça, c'est pour savoir où on doit aller. Ça, c'est pour quoi? Ah! Quelque chose là-bas. Alors, faut pas que je fasse des conneries parce que là je suis en type 14. Voilà. Quelque chose ici? Où ça? Par là-bas peut-être. Ah ah. Oui, ah. Ici, effectivement, il y a quelque chose. La pancarte se trouve en guichet automatique qui est fermé. L'électricité a été coupée, c'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Un film type 14, merci beaucoup. Je viens de gâcher un type de film 14 aussi, juste avant. Le grillage y entre interdite, il y a les escaliers de l'autre côté avec une porte à leurs pieds. Il y a une chaîne sur le grillage, je ne peux pas l'ouvrir. Attendez, désolé, il y a juste le câble qui fait un peu chier, que je ne peux pas bouger en fait, au final. Ah. Oula, désolé pour le bruit. J'en suis vraiment navré les amis. Et le truc c'est que je peux même pas couper ça. Au montage, je ne peux pas couper ça. Bon, j'espère juste que le truc va... Y a rien qui... Excusez-moi. J'espère juste qu'il n'y a rien qui va couper pendant la partie. Je veux dire, le micro, ce serait con que ça coupe alors que je joue pendant une heure. Pendant... Bon, c'est tout ce que c'est pas là qu'il faut y aller, mais... Il y a les trucs ici quand même. Alors, non. Non. Ok, d'accord. Que des objets à récupérer. Ah, et pas de main, type 14, merci beaucoup, ça fait plaisir, ça fait zizir. Et ici c'est quoi? De l'herbe médicinale. Merci beaucoup, ça fait encore plaisir. Et là on a une boîte. De la braise pure, merci, c'est vachement utile aussi ça comme truc. Allez, on va sortir. Le temps qu'elle prend pour ouvrir une porte. Le temps que ça prend, quoi. Le prochain épisode, j'essaierai peut-être de le faire en live. On ne sait jamais. Ça va peut-être marcher en live. Ok, je suis trempé. Super. On va vers... Je crois que c'est là-bas, mais qu'il faut aller. Ouais, l'hôtel de la transition. Chargement. Je ne vais couper aucun chargement pendant sur le en post-prod. Bon. Oh l'ambiance. Hisoka Kurosawa. D'accord.
Ok. D'accord, là faut aller où? Là-bas. On va aller là-bas. L'hôtel. Magnifique hôtel. Isoka Kurosawa. Elle est vachement sexy là, Isoka. Machin là. Quelque chose par. Attendez, il y a peut-être quelque chose là-bas aussi, non? Est-ce qu'il y a quelque chose ici par terre? Oh! Ah, méchant! Stéphane, t'aurais pas dû y aller! Bravo! Le con, il est là, ouais, il y a quelque chose. Ah! Voilà, pile dans ta gueule! Monsieur, tu veux. Ok, je suis pas très bon là. Allez, viens, viens, viens. Voilà, pif! Fatal Frame! Alors, hein? On vient s'attaquer à plus fort que soi, monsieur le prêtre. Merde, j'aurais pu le toucher. Ça aurait fait quoi si je touchais? Bon, d'accord. Et là-bas, il y a quoi du coup? C'est pas là-bas qu'il faut aller, Stéphane. Là, je regarde, c'est là. Ah, si, c'est là-bas qu'il faut aller. Bon, bah, on va d'abord aller à l'hôtel alors, du coup, parce qu'il y a un truc à récupérer en haut. On va d'abord aller à l'hôtel, récupérer un truc. Voilà. Et pas de main. Type 90, merci beaucoup, ça fait plaisir. Isoka n'est pas là, je trouve un chemin qui mène au sommet. Allez, on va aller au sommet. J'espère que le bruit de fond n'est pas plus fort que ma voix. Et j'espère que ma voix n'est pas non plus beaucoup plus fort. De toute façon, c'est des trucs que vous en foutez. Au pire, si c'est mal foutu, je recommence. Il n'y aura pas toute la découverte que je fais là. Est-ce que c'est là qu'il faut aller déjà? Là, je suis pas sûr. Pas sûr du tout là. Ça fait 7 minutes qu'on est ensemble. Bientôt 8. Il s'est pas passé grand chose à part un petit combat pourri. Ah. De l'eau bénie. Enfin, de l'eau sacrée, c'est pareil. Béni, sacré. Oh mon dieu, un cimetière! C'est rassurant comme endroit. C'est vrai, j'ai pas couru, hein, parce que c'est pour rentrer dans l'ambiance, tout ça. Hop là, de l'eau sacrée encore. Elle est partie où? Par là, d'accord. Les graphismes changent. Le grain est un peu plus prononcé là, j'ai l'impression. D'accord. Un hôtel. Ouais, c'est un hôtel. C'est une sorte d'hôtel. Impressionnant la beauté du jeu, quoi. C'est sur Wii U, hein, je me rappelle. Notre duc. Ah, alors comment je t'évite là? Comment je t'évite? Ah ah ah. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah! Il est là! Mais saute sur moi, saute sur moi! Putain, mais saute sur moi! Voilà, bim! Fatal Frame! Oh! Oh!
putain, désolé. Je gueule. Peut-être que c'est en train de s'attirer. Oh! Je n'ai pas évité. Je n'ai pas... J'ai pas pu l'éviter. Il y en a deux, quoi. Non, il se téléporte. Putain, mais il est... Il est solide, le bougre. Il est solide. Il se téléporte. Ah, j'ai pas pu l'éviter. Ok. Tombé de bouton, désolé. Bon, on va se barrer un peu de là. Avoir un espace un peu plus grand pour pouvoir se battre. Wow! Le mec, il apparaît devant toi. Où est-ce qu'il est? Voilà. Est-ce que je peux le toucher là? What? Ah, mon Dieu. Sûr, si t'es que lassement bien fait, c'est pour chez zéro là. Yomiga. Karazaga. Domarete. Malsain. Dégueulasse! Bon. On va suivre la petite donzelle. On va changer de type de film pour pouvoir prendre en photo des événements. Encore! Mais on va se calmer! Stylé. Ah! Putain! Il est mort. Encore. Eh mais il va revenir souvent lui ou... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je croyais l'avoir tué. Bon, tu me diras, ouais, tu sais pas, c'est un fantôme. Tuer un fantôme deux fois, n'est-ce pas un petit peu tiré par un capillot tracté, quoi. Donc, non. Bon, c'est quoi ce machin? Un type de film. Ah! Alors, j'étais plus fort que toi là, tu vois. De l'autre côté, 61, bien. De l'autre côté, il y a de l'eau sacrée. Chaud avant de repasser de l'autre côté là. De toute façon, on n'utilise pas trop les l'eau sacrée, tout ça. Ah, un objet ici. Ah, bah c'est la mine d'or des objets, dis donc. Hop là. Alors, hop là. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Trompé le bouton. Alors, comment je suis bon? Hein? 90, ok. Là, j'ai l'impression qu'on va être confronté à quelque chose de hyper puissant parce que c'est chelou qu'on nous donne autant d'objets, de pellicules. En haut, c'est pour dire, ouais, tu vas bientôt rencontrer des boss un peu L'enculé! Je l'aime pas parce que c'est les portes. D'accord, bon là, il va falloir éventuellement penser à utiliser un peu d'herbe médicinale. Voilà, encore un petit. Voilà, hein. Hop là, allez, touchez quand même.
super. D'accord, dans le vide, Stéphane, bravo. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est derrière. Il est où? Il est là. Allez, viens, viens, Coco. Je te mitraille. Oh! Oh! Ah bah bravo! Bravo Stéphane! Ah bah putain, mais quel joueur de folie quoi! Bim! Bim! Allez! On enchaîne! Ah! Ah! Oh! Il est mort! Il est mort! Putain! Comment je suis trop bon? Bon, juste avant, j'étais en train de dire, mais quelle merde ce Stéphane! Ok, l'objet est là. Je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, il est juste là. Voilà! Qu'est-ce donc? De l'herbe! Je dois bien en avoir de l'herbe médicinale, j'en ai utilisé deux pour rien d'ailleurs. Bon, faut aller où là? En face. Ok. C'est un peu galère de se déplacer dans l'eau comme ça et de devoir combattre en plus. Quelque chose là-bas? Non, là-bas en face. Je trouve que ce petit réticule est mal foutu. Il m'indique pas bien où se trouvent les objets. Wow! Bon bah là, ça, franchement, je m'y attendais pas quoi. Je m'y attendais vraiment, vraiment pas. T'es tout trempé, madame! Le journaliste Oka a été laissé ici. On dirait qu'il est passé par ici. On dirait qu'il est passé ici en fin de compte. Au-delà de la vallée interdite. Oui, Oka avait une voix étrange. Se trouve le terrain sacré du sommet, le pic du crépuscule et le lac des défunts. Si elle est dotée de la capacité, il est impossible qu'elle ait été menée là-bas. Ou peut-être que c'est moi qui suis appelé vers ce lieu, je sais pas. Bonjour, monsieur les Bouddhas. Bon, Oka est passé par là. Voyons voir. Bonjour. On va vers le pic du crépuscule. Ok, en fait, t'as une porte pour aller sur un hub. Super. D'accord. Et pour arriver sur une autre porte. Les gars, ils ont pas en fait. Ils se sont dit, hey, on va faire ça. On va mettre une porte, un hub, un transfert et une fleur. Des fleurs, d'accord. Ok. Vous voyez comment je tremble? Ah mon dieu, j'ai peur! Non, en fait, je suis pas très droit. Allons-y, voyons. Ok, les enfants! D'accord, et ensuite? J'ai pas pu les avoir toutes. C'est quoi le. Fallait appuyer sur B, il faudrait que je revoie sur le replay. Enfin, sur la vidéo. Des vieux vents sur les rochers et mettent un cliquetis en tournant. D'accord. Non, il y a des tombes à côté quoi. Et ça, c'est. C'est glauque. N'est-ce pas? On peut pas voir son visage. Si. Comment je suis trop bon? Eh, vous avez vu son ventre là? On voit son ventre! Bon, on voit beaucoup ses fesses aussi, mais après ça, c'est autre chose. Là, il va se passer un truc. Une apparition. Hein? C'est tellement téléphoné. Non, même pas. Une statue de Jizo à l'air amical repose à l'intérieur de l'hôtel. Plusieurs petites sculptures ont été disposées autour d'elle. D'accord. Faut aller là-bas. Ouais, mais du coup, il y a quoi là-bas? Ah ah! Ah merde! Ok, Stéphane!
Ouais, moi j'aime bien. Vogel! Il y a un objet là-bas. Moi j'aime pas les enfants dans les... dans ces jeux, genre de jeux qui font peur. Un bout de papier! L'hôtel arrière. Se doit ce qui, si, à quoi cet hôtel a été dédié. Les enfants perdus et orphelins sont appelés à monter sur, par le coucher de soleil. Appelés par le soleil alors qu'ils se couchent sur le royaume des morts, passant dans l'outre-monde. Afin qu'ils puissent passer dans l'outre-monde alors qu'ils se retrouvent pour jouer. Nous les honorons avec des effigies. Ok. Bon, il va falloir que je comprenne, que je recomprenne comment ça fonctionne, ce... cette façon de bouger là. Film zéro, le meilleur film du jeu. Je dis ça en chantant, parce que ça permet de décompresser. Il y a une porte qu'on peut ouvrir. Bonjour, des poupées. Il manque quelques poupées au milieu de l'étagère. Quelqu'un a dû les prendre. L'appareil photo réagit à quelque chose. Enfin, il faut réagir à quoi, bordel de merde? Ah, d'accord. Ok. C'était là. Ah, le... Oui, c'est le la statue d'Izo. Ah ben voilà, les poupées sont derrière. Cinq statues sont alignées à quelque chose au milieu derrière elles. Un enfant, on dirait, hein. Ouais. Un enfant en haut de l'hôtel aussi. D'accord, on dirait les endroits situés avec Pic du Crépuscule. Faudrait peut-être que j'aille voir ce qu'il a emmené. D'accord. Ah, Bouncing Breath. On dirait que c'est ici, non? Non, c'est pas ici. On aurait dit que c'est ici, hein. Bon, bah, allons-y. Allons de l'autre côté, on verra bien, on reviendra certainement par ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ouais, on peut prendre une photo, là, par ici. Attends, mais faut que je trouve où, en fait? Un enfant! L'esprit a laissé une vieille poupée enveloppée d'une étoffe rouge derrière lui en disparaissant. Allons voir si on peut déposer ça là-bas. Je sais pas si ça change quoi que ce soit, mais... on va bien voir. D'accord, ben voilà, ça avait bien dit qu'il y avait quelque chose ici. Voilà, elle, la même photo, quoi. Ok, une vieille poupée. C'était quoi l'autre photo? Je me souviens plus. Je pense qu'on peut revoir les photos. Je vais revoir les photos, photographie. Alors... non, c'est pas ici qu'on voit les photographies. Ça, c'est plutôt dans archives, je pense. Archive, souvenir, non, même pas. Attendez. Si, c'est là. Alors, derrière les statues. Bon, c'est derrière l'hôtel, derrière des statues. Je me souviens pas de ces statues-là. Je me souviens pas de ces statues. Je vois ça où c'est, mais ça, je me souviens pas du tout où c'est. Je... non, là, ça me dit rien. Mais on va essayer de trouver ça. Parce qu'il nous manque ça, il manque que ça. Donc dès qu'on voit les statues, on va essayer de prendre en photo. Est-ce que ça enregistre toujours? C'est bien de vérifier de temps en temps.
Oui, parce que j'ai un micro à pile. C'est con. Les statues sont pas par là-bas, par hasard. Parce que j'ai pas tout regardé ici. Non, les statues ne sont pas là. Ah, peut-être là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Bonjour! Les statues sont là-bas. Vous voyez? Là. Putain, l'ambiance de ce jeu, l'ambiance de cet endroit. En tout cas, GG les gars qui ont fait ce jeu. Là! Vous la voyez? En fait, elle jouait à cache-cache. L'esprit a essayé de m'y épouper, blablabla. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah bah ça mène ici en fait. On va aller poser la dernière poupée qui restait. Parce qu'il y avait que 3 poupées. Wow! Wow! Ok bande de bâtards. On la joue comme ça hein. Ok, ça joue à l'attaque de machin. Vous vous séparez. Super. Bravo le courage. Là, je vais mourir si je fais rien. On va mettre de la braise aussi parce que ça élimine de la souillure. Et ça fait quoi? Ça restaure l'énergie. Y a pas le machin qui fait péter tout le monde là? Non, y a pas. Là, je suis. Ah! Viens là, Coco. Ok, d'accord. Je me fais toucher. Ah. Esquive. D'accord. Là, franchement, je suis une merde. Je suis d'accord avec vous, si vous le pensez. On va essayer de faire... Voilà, esquive, mais ça me touche quand même. Parce que c'est trop du cul, ils sont trop forts. Ils envoient des trucs partout. Bim. Voilà. Toi. Viens ici. Ah. Ah. Vite attaquer. Là c'est le fatal frame. Voilà. Wow. J'ai pas pu éviter cette boulette de merde. Ça m'a. Ça m'a. Je les ai eu. Putain mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon allez, on va partir déposer ça. C'était chaud là hein. C'est chaud patate. Fallait mourir au bout de 30 minutes moi. Et on va déposer ces poupées. Vous obtenez un objectif récompense, augmente le nombre de points gagnés chaque photo prise pendant le court instant. Vous pouvez utiliser un équipement. Ah. Quoi, c'était juste pour ça? Bon bah on va l'équiper, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, comment ça fonctionne déjà ce truc là? Optimisation. Objectif. Donc, ralentis les mouvements. Destruction. Ça c'était bien. Ça c'était bien. L'énergie convertie passe de... Hein, ok d'accord. D'accord, bah écoutez, on va tester. Non, on va pas l'améliorer, on va améliorer ça. Parce que ça, c'est vraiment bien. Et on va s'équiper de l'objectif. Alors, différer, on a différé, ça c'est restauration. La restauration, je vais plutôt mettre l'objectif récompense pour voir ce que ça donne. Hop, ça on a déjà tout, c'est bon. Mais, ah merde, dans l'optimisation c'est fait que pour la caméra aussi. Donc on va augmenter le pouvoir spirituel absorbé. Ça nous fera quelques petits points en plus je pense. Et c'est tout ce que je peux augmenter.
Allez! On est reparti. Et là, je m'équipe. C'est écrit en symbole japonais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Putain. En fait, le truc là, les objectifs, c'est en japonais. Enfin, c'est en object. En signe. Donc, du coup, ça c'est différé. Et ça, c'est récompense. Parce que moi, j'ai que les trucs bleus sur ma gamepad. Récompense, c'est. Il y a le gros machin à droite. Alors. Voilà, là je l'équipe de récompense. On va voir ce que ça donne. Où est-ce qu'elle est partie, Soka, maintenant? D'accord, par là-bas. On va la suivre. Toujours là-bas. D'accord, je vois où elle veut me mener. Putain, tout ça juste pour avoir un objectif de merde. Ouais, parce que si on repart en bas, on repart. T'as vu la photo stylisée et tout, hein, sur le côté. Moi, je suis trop bon. Bon, elle est partie à droite. On va aller à la gauche pour voir ce qu'il y a. S'il y a encore un méchant, faudrait que j'arrête de faire ça. Ok. C'est pour confirmer qu'elle est bien en arrière. Alors, il semble que c'est une plage. Une plage avec un hôtel au loin. D'accord. Ambiance à fond. Je peux pas avoir l'hôtel de là. On va voir où ça mène ici. Je pense que ça doit mener en arrière. Mais vous savez, c'est ça l'exploration aussi. Et effectivement, ça nous mène en arrière. Voilà, là c'était l'entrée, à droite c'est l'entrée de tout à l'heure, et là on va remonter. Et là il y avait juste les statuettes qu'on a pris en photo. Du coup, on va passer par là. Et une cinématique. Oh mon dieu. La prêtresse? Non, c'est une vieille conne. Ne va pas vers la lumière! J'ai dû retirer ton appareil et la tuer avec l'appareil. Voilà, on se fait enfermer dans une boîte. Super! Moi, je viens sauver ma poteau. Et voilà, je me fais enfermer dans une boîte. Pas envie d'être un pilier. Oh putain, faut la prendre en photo au bon moment. Voilà! Dans ta face, la vieille! Crève, la vieille! Blim! Alors! Bon, il va falloir combattre apparemment. J'ai mis type 14, on va bien voir. Wow! Elle est où? Ah putain, je l'ai raté. Elle est là. Ah. Bim. Alors madame, hein? Comme ça on veut me faire devenir un pilier? Moi je veux pas être un pilier. Voilà. Putain, je téléporte. J'aime pas ceux qui se téléportent. Et j'ai gâché ma destruction dans le vide. Super. Putain, elle met son miroir devant sa tête et elle fait genre salut.
Oh putain! Je vais y aller! Ah là! Hop là! Et je t'ai eu! Allez, 61. Voilà. Ok, d'accord, je me suis fait toucher. Super. Génial, Stéphane, mais tu joues vraiment comme une merde là aujourd'hui. Je sais pas ce qui t'arrive. Tiens, j'ai filmé 61. Ok. Ok, d'accord. Ok, bon. Voilà. Hein, petite merde aujourd'hui. Hein, c'est ça la reprise. C'est ça ne pas jouer pendant un moment. Et se dire, ouais, je vais pouvoir rejouer, mais en fait, non. Pétasse! Pétasse! Pardonnez-moi, je jure. Elle va foncer sur moi. Hop là! Alors, tu connais la Macarena? Oh non! Voilà! Où est-ce qu'elle est? Elle est morte! Tu es morte! Bah! Bon, avant de ramasser ça, je vais ramasser ça. Ok, herbe médicinale, super. Bon, avant, je vais changer de film. Je vais remettre le film 7. Et un paquet Oh merci, fallait pas emballer madame. Un journal avec une couverture noire a été laissé ici. Est-ce qu'elle appartenait à cette vieille femme? Peut-être, nous devons créer plus de piliers. Le grand pilier s'effondre, hein. Putain, c'était une fana des piliers, elle. Les eaux noires déborderont. Les eaux noires doivent être contenues avant que le grand pilier ne fonde. Un autre journal était laissé au même endroit, mais un journal blanc. Une écriture magnifique. Non, c'est la même écriture, madame, tu as mal vu, là. Je suis devenue prêtresse après avoir survécu à cette inondation. J'étais presque morte lorsque je me suis réveillé, seul parmi les corps. Je voyais des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Je vois des gens qui sont morts. C'était ma vocation. J'ai purifié mon corps et lorsque je suis arrivé sur la montagne, j'étais submergé par une cacophonie de voix. Mon Dieu, les voix des arbres, les murmures des pierres, les pleurs de l'eau, mon Dieu, j'étais folle. Les échos des pierres passaient empilées les unes sur les autres. Le temps avait ralenti et je pouvais voir la moindre goutte de pluie qui tombait. Putain, j'avais pris une drogue, mais wow, mon frère, sérieux! Les nervures de chaque feuille ressortaient clairement. Les images de mort défilaient devant moi. Je pouvais sentir l'étouffante puanteur de la mort. On m'a dit qu'il faudrait plus d'entraînement. Qui ça, on? J'ai voulu m'enfuir aussitôt arrivé, mais je n'avais nulle part où me réfugier. Peu importe où je vais, ce sera pareil. Au bout du compte, je serai seul. Ouais, l'objectif force! Deux fois plus de dégâts aux cibles, merci. Ah, ouais, d'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Maintenant, faut aller où? D'accord. Oh, le con! Photo! Elle est plus là, la pétasse. Elle savait que j'avais pas le temps de me tourner. Elle le savait! Bon, là, on va apparemment... vers la plage. Toujours aussi stylisé mes photos, hein. Je sais. Vers la playa, hein. Farniente, on va se poser, on va boire un petit, on va siroter un petit caipirinha. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, y a-t-il quelqu'un? La caméra est très vers le bas, hein. Ah! Hisoka est là-bas! Hisoka, fais pas la conne! Viens! Ah, je peux marcher dans l'eau! Ah, oh, génial! Dans le 4, on pouvait pas. Alors, je sais pas aller plus loin dans le 4. Je marche dans l'eau. Tu sais bien que c'est pas Hisoka.
Ok. Il y a un oursin qui est en train de crever là. Pas plus paniqué que ça, mais en même temps, depuis tout ce qu'elle a vu depuis le début, c'est sûr que ça va pas la paniquer plus que ça, mais bon. La tablette est en train de vibrer. Et là, regardez. Salut, tu veux de la drogue ? Oh mon dieu, les yeux rouges. C'est un boss ? C'est un boss ? Je suis pas prêt pour un boss. Non, c'est pas un boss. Oh mon dieu seigneur, c'est un boss ! ça 90, hein, j'utilise, hein. Ok, ça ne fait rien. On va essayer de se barrer, parce que là, ça ne fait rien sur elle. Wow! Wow! D'accord, ok. Un petit répit. Merci beaucoup. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. C'est la même plage que tout à l'heure. Est-ce que je l'ai perdu? Je devrais partir et quitter cette montagne immédiatement. C'est que maintenant que tu dis ça! Yuri suivit la trace d'Isoka jusqu'à la rive du lac des défunts où elle disparut dans la brume. Une femme apparut à sa place. Il s'agissait de la même présence sombre que sur la photo d'Isoka, celle qui marchait sur l'eau. Incapable d'infliger les dégâts avec la caméra obscura, je me disais bien que j'avais utilisé mes films super puissants pour rien. Yuri n'eut d'autre choix que de s'enfuir. Yuri se rappela d'avoir vu la silhouette d'un grand portail tori sur le lac embrumé. S'agissait-il de l'endroit vers lequel se dirigeait Isoka? Vous le saurez dans le prochain épisode! Chers amis, oh putain, rang S, oh mon dieu, mais comment je me kiffe, en plus en normal. Oh, wow, Stéphane, bravo, t'es le topissime dans Projet Zero, t'es le maître de Projet Zero, Fatal Frame, c'est toi. Tu as fait le 1, le 2, le 3, le 4, et là t'es en train de faire le 5. Et t'es un badass, t'es un boss. Bref, rendez-vous dans le prochain épisode, qui arrivera plus rapidement maintenant que j'ai la fibre et un nouveau PVR. Bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Je vous kiffe. Salut !